That boy is Benihana. Bonjour à tous, je suis Fernand Lopez, j'ai 41 ans demain et je suis le directeur sportif du MMA Factory. Je suis aussi le fondateur des lieux du MMA Factory. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis le manager sportif et le matchmaker de l'événement ARES, nouvel événement sportif. Et puis, j'ai commencé les sports de combat par le judo tout petit, ensuite la lutte, et puis le rugby. Après le rugby, j'ai fait du taekwondo, après j'ai fait du MMA. D'abord des combats amateurs de MMA, une vingtaine, ensuite une vingtaine de combats professionnels. Et puis, jusqu'à ce que je raccroche les gants il y a à peu près 7 ans et que je devienne entraîneur. Alors, les formations sportives, j'ai été passionné du MMA. Mon professeur de l'époque, Mathieu Nicourt, d'ailleurs mon seul professeur de MMA, il a eu l'impression que j'avais quelque chose, que j'avais une fibre pédagogique, et donc il m'a responsabilisé un peu sur pas mal de choses dans sa salle de sport, la Free Fight Academy. Et à la suite de ça, je me suis dit, tant qu'à faire, si j'ai envie d'enseigner ce sport, je vais me remettre sur des études. Moi, j'avais étudié sur plutôt de la technologie, sur l'ingénierie électrotechnique. Et puis finalement, je suis revenu donc sur la base sportive avec des formations sur ce que je pouvais faire, puisqu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'obligation de qualification sur le MMA. Donc je n'avais pas de diplôme ou d'axe en fait à suivre sur le MMA. Je me suis mis à suivre les formations sur tout ce qui pouvait aider sur la performance sportive. Donc formation sur la lutte, formation sur le grappling, brevet d'état sur la remise en forme, diplôme de préparateur physique à l'INSEP, diplôme d'état supérieur sur le Muay Thai. Moi, à la base, je me mets au MMA parce que j'essaie de guérir d'une blessure. À la suite d'une grosse blessure que j'avais contractée au rugby, dont j'avais une hernie discale au niveau des cervicales, C5, C6. Et donc la rhumatologue de l'INSEP à l'époque, NTC, me demande d'arrêter la pratique complète de tous les sports. Que je pratiquais la lutte et le rugby notamment parce que c'était délétère pour mes cervicales, parce que une hernie discale, c'est un disque qui vient sectionner la moelle épinière. Et donc petit à petit, je me fais opérer. Après l'opération, je fais quelques années sans pouvoir m'entraîner, faire de la compétition, et je suis à la recherche d'un sport de combat qui soit contrôlable. Et on me parle du grappling, cette forme de lutte que je peux faire même sur le dos et où je peux faire 3 tapes pour signer à faire à mon adversaire de lâcher la pression sur moi. Je me dis, ça me convient pour mes cervicales fragiles puisque je viens de terminer un cycle de réhabilitation sur mes cervicales. Et donc, du coup, je commence le grappling. Et ensuite du grappling, je découvre le MMA. Et donc, je reprends un peu de compétition, un peu de combat de boxe anglaise. Je reprends un peu de Muay Thai et puis finalement je reprends l'OMMA et je fais une quarantaine de combats amateurs d'abord avec des combats de pancras machin, et puis finalement je vais sur le circuit professionnel où je fais aussi une quarantaine de combats. Moi, en dehors de la boxe, qu'est-ce que je fais? La plupart du temps, je travaille. Je suis vraiment un besogneur. J'aime
Je suis un fainéant sur tous les autres domaines. Par exemple, la paperasse, c'est pas mon truc. Je déteste m'occuper des papiers. C'est le dernier truc que je fais dans ma vie, quoi. Enfin, je n'aime pas m'occuper des papiers. Cependant, je suis un bon gratte-papier quand il s'agit des projets. Je suis un besogneux, un laborieux. J'aime travailler. Donc, oui, je travaille sur des projets. À part le sport, je travaille sur d'autres projets sportifs. Les obstacles qu'un entraîneur peut avoir, qu'un manager peut avoir, qu'un gérant de salle de sport peut avoir, c'est tellement complexe. Le premier obstacle vient de ses pairs, des autres collègues qui peuvent être des entraîneurs, qui peuvent être des coachs. Il y a certains qui sont très encourageants, qui vous apportent du soutien, qui respectent ce que vous faites, qui valorisent ce que vous faites, mais il y a aussi une grande partie qui ne voit pas les choses de la même manière. Et au moment où vous n'êtes pas encore un entraîneur connu, vous n'avez pas ce genre de problème parce que vous ne gênez personne. Vous commencez à être connu un peu, vous allez le ressentir quand même qu'il y a, ça. Mais c'est un minime obstacle à côté de ce qu'il y a quand on est manager d'une salle de sport, entraîneur. Vous avez la responsabilité vous avez la prétention de pouvoir gérer une cinquantaine d'athlètes de haut niveau. Moi, dans mon cas, c'est 70 athlètes de haut niveau que je gère ici sur la liste de haut niveau. En plus des 600 adhérents loisirs qui sont là, j'ai 70 athlètes avec des égos surdimensionnés puisque c'est ce qu'on leur demande. On demande à un athlète d'être égoïste, d'avoir le côté je veux moi-même, je suis l'homme le plus fort, quoi. C'est moi le meilleur. Et donc, du coup, on lui demande d'avoir cet ego, mais en même temps, on doit quand même le contrôler. On doit quand même lui demander de pouvoir naviguer dans un espace où il y a d'autres égos et qu'il ne faut pas qu'il aille blesser et toucher les susceptibilités. Le plus grand défi d'un entraîneur ou d'un gestionnaire de salle de sport, ce n'est pas l'entraînement, ce n'est pas la pédagogie en elle-même. C'est le management du personnel des athlètes dans la salle. C'est le plus gros défi du siècle. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous décidez d'ouvrir une salle de sport, oubliez la superficie. Pensez pas, ouais, j'ai une salle, elle aura 3000 m², j'ai une salle, elle a les meilleurs tapis de course et tout. Pensez à qui sera mon directeur sportif. La direction sportive d'une salle de sport, c'est la clé de voûte de toute la réussite de la salle de sport. Le monde du MMA n'a rien de différent des autres mondes. Sur le sport de combat, je parle, c'est-à-dire que la vie associative du MMA tourne autour des personnes qui sont assez compétentes, relativement compétentes, qui travaillent depuis sur des personnes compétentes qui travaillent sur le développement du MMA, certaines depuis 3 décennies carrément, qui développent dessus. Moi, je suis un tout petit dernier du MMA. Moi, je suis arrivé au MMA il y a à peine une dizaine d'années, et donc voilà, je suis tout nouveau dessus. Cependant, le monde du MMA, il représente le panel de la société, des pour et des contre. C'est un peu exactement comme en politique. Et le monde du MMA, il est aussi fait des pour et des contre, des personnes qui sont d'accord, pas d'accord. On a le jeu politique qui travaille à côté du jeu de lobby. Moi, je salue beaucoup ces anciens qui ont fait du lobbying pour le MMA depuis déjà une trentaine d'années, avant même que je n'arrive sur le milieu du MMA, qui ont beaucoup travaillé sur la pédagogie, sur l'enseignement qui va avec. Aujourd'hui, moi, à ma petite échelle, j'essaie de ramener, d'aider
sur le MMA, mais beaucoup plus sur l'action que sur la politique. Je ne suis pas un fin politicien. On a le comité français des MMA, par exemple, sur lequel je suis un conseiller parce que j'ai été sollicité dessus. Mais j'ai pris le parti, j'ai pris la décision de ne pas être membre du comité français des MMA parce que déjà j'ai des projets sur lesquels je ne souhaite pas être en conflit d'intérêts quelconque. J'ai eu la casquette d'entraîneur pendant longtemps. Ensuite, j'ai eu la double casquette d'entraîneur-manager parce que c'est ce qui m'arrange le plus. Je me sens beaucoup plus compétent en management parce que je connais les personnes que je manage pour la plupart. J'ai quelques combattants de haut niveau comme Veronica Macedo qui vit au Brésil, comme Ion Kouté là-bas. Qui vit en Moldavie. Mais aujourd'hui, essentiellement, les athlètes que je manage sont au management factorier et ça me apporte de la performance. Avec la performance, le MMA est un peu plus reconnu à l'étranger. Avec la performance, on a plus d'attention des personnes. Ce n'est pas un hasard si les deux derniers ministres de sport sont passés ici au MMA Factory. Laura Flessel, elle était ici, elle a passé 3 heures ici avec nous. Roxana Maracignanou, elle est venue ici, elle a passé 3 heures ici avec nous. C'est aussi sur ça que se jouent aussi les décisions, que se sont jouées aussi les décisions qui ont pu mener à la normalisation du MMA dorénavant. En 2015, j'ai organisé le premier événement, le seul événement de MMA qui a eu en France, de manière officielle en tout cas, avec des frappes au sol et une cage. C'était au cycle d'hiver, en septembre 2015. À la suite de ça, il y a eu le secrétaire d'État, M. Braillard, qui s'est un peu braqué sur la situation, qui a durci et a changé des textes de loi qui ont amené à ce qu'on arrive finalement à la réflexivité, de la réflexion des élus, des députés et du Premier ministre qui a demandé quelque chose pour ça. Ce que je pense, c'est que l'OMMA a exactement les mêmes valeurs qu'on retrouve au CIO, au Comité international olympique, et qui sont d'ailleurs appliquées. C'est vous dire, en tout cas, l'idée en fait de la déontologie aujourd'hui, de l'éthique, de comment on considère aujourd'hui le sport, c'est-à-dire que la lutte antidopage est mise en avant, l'équité sur les juges et arbitres et tout sont mis en avant. C'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. On va chercher exactement ce que peut vous dire. Je vous dis, regardez Arès, le 14 décembre, vous allez voir un événement qui est diffusé sur Canal+, un événement qui est diffusé sur UFC Fight Pass, et un événement qui est arbitré par Leandro Roberts, qui est un arbitre de l'UFC, qui est habité par Rich Michel, arbitre de l'UFC. Les cutmen sont les cutmen de l'UFC. On est dans l'excellence. On essaie de suivre le pas, d'amener ce qu'on a comme valeur. Les valeurs qu'on a, ce sont les valeurs de la charte olympique. Bah, les projets futurs sur ce qui va arriver, c'est encore la performance sportive. C'est à moyen terme l'expansion du MMA Factory. On a une grosse demande sur ce qui est de la licence de marque et de la franchise. Donc, on a lancé ça avec la salle dans le sud-ouest récemment. Donc, il y a un gros mouvement d'expansion qui se met en place, de développement de d'autres salles de sport, d'agrandissement des salles de sport. Voilà. Quel conseil je pourrais donner aux personnes voulant pratiquer le MMA? C'est simplement de traverser la porte d'une des salles de MMA où il y aura de la bonne pédagogie. Il n'y a pas de mauvais MMA, il n'y a pas de mauvais judo, il n'y a pas de mauvais karaté, il y a juste des mauvais professeurs et il y a des bons professeurs. L'idée, c'est de se renseigner sur la réputation de sa salle de sport, de voir l'état d'esprit dans lequel on travaille dans sa salle de sport et de se rendre compte aussi, on a une obligation d'affichage. Toute salle de sport a une obligation d'affichage des diplômes. Vous rentrez dans une salle de sport, regardez derrière la secrétaire et regardez si sur le tableau il y a les diplômes. Regardez le nom des diplômes s'ils correspondent bien à votre entraîneur. Et vous aurez un peu une idée de ce qu'il sait faire. Ensuite, moi tout ce que je peux vous dire c'est que le sport devient intéressant à partir du moment où il est à grande variabilité. En gros, on parle des sports stables, pas qu'ils ne soient pas intéressants. Ils sont aussi très intéressants. C'est intéressant de faire de l'haltérophilie. Mais l'haltérophilie, pour un jeune, va être beaucoup moins ludique
que de jouer au rugby. Parce que la haltérophilie, vous êtes dans une salle de sport, il y a une barre fixe, vous avez une charge qui est fixe, qui ne va pas bouger. On vous dit, vous soulevez 100 kg, il n'y a pas de vent favorable ou défavorable. Il n'y aura pas d'incertitude. Vous allez lever la barre, elle va monter ou elle ne va pas monter. C'est binaire. Okay? On parle d'un sport où on est capable de boxer, de faire semblant de boxer et de kicker. De faire semblant de kicker, de mettre des genoux, de mettre des coups de coin. On a 8 armes dessus, ok, okay. On a la capacité de pouvoir jouer avec ce qu'on appelle le bio-informationnel, de tromper l'adversaire, de lui faire croire que je boxe alors que je lutte. Mais je vous parle là juste de l'idée, je ne vous dis pas de boxer en vrai. Ça veut dire que quand on prend un jeune qui est dans l'idée de la motricité, on sait aujourd'hui que les études l'ont prouvé, que la nature enseigne mieux la vie avec le jeu. Quand un ours, quand un tigre a envie d'apprendre à son enfant à survivre dans la nature, il lui apprend à jouer. Et ça, c'est par le jeu qu'on devient bon. Merci beaucoup à Canada Atlas Fight. Je vous dis merci pour ce que vous faites pour le MMA. Hein, parce que inconsciemment, vous ne le savez pas, mais quand vous communiquez sur nous, quand vous parlez du MMA, vous contribuez au développement du MMA et du sport de manière générale. Merci beaucoup. Merci à tous les fans et les amis qui suivent les projets du MMA Factory et de Fernand Lopez de près ou de loin. Je vous dis, restez connectés ici sur RSFC, restez connectés sur cet événement-là. Vous aurez beaucoup plus d'informations dessus, ça va être intéressant. Merci, salut à tous.